Bien fait de manioc, rien ne se perd sur le manioc, tout se transforme sur ce végétal tropical. Le manioc est un aliment de base en Afrique qui se consomme entièrement depuis les feuilles aux racines, dont le développement donne des produits succulents bienfaisants pour la santé et digeste. Depuis, c'est un super aliment aux multiples transformations pour le plaisir des papilles gustatives diversifiées avec plus de 20 dérivés. Aujourd'hui, nous allons parler des feuilles du manioc connues en Afrique sous différents noms. Saka saka en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali Pondou ou en Afrique centrale, plus précisément au Congo. C'est un aliment cure consommé un peu partout en Afrique subaérienne, mais quels sont les bienfaits et vertus que nous connaissons à ces feuilles? Comment les consommer? Il est ainsi possible de consommer ces feuilles et sa racine à la peau marron foncée et rugueuse et à la chair blanche et farineuse. En effet, la feuille de manioc est issue d'une plante ligneuse à tige droite. Elle est à lobe simple toujours impair et allant de 3 à 7 lobes disposés en spirale de couleur pourpre dès le jeune âge, ensuite vert clair souple puis vert foncé épaisse. Les lobes sont connectés à un limbe qui est ramifié à un pétiole rouge foncé, virgule, les feuilles de manioc constituent une bonne nourriture. Elles sont en réalité une mine de nutriments. Ces feuilles contiennent essentiellement de la vitamine A et C, qui joue un grand rôle antibactérien en réponse avec l'organisme. La vitamine A possède des nombreux bienfaits pour les yeux, elle participe à la prévention des risques des maladies oculaires. Elle aide à freiner la progression des maladies de l'œil et elle contribue à préserver la vue, pour soigner la conjonctivite certains râpent finement le tubercule de manioc, extraire le liquide laiteux et mettre quelques gouttes dans chaque l'œil. Les feuilles de manioc, en plus de leur fort nutritif et action bactérienne, sont encore recommandées aux personnes les diabétiques, car elles ont un faible indice glycémique. C'est grâce à leur forte teneur en fibres qui permet de ralentir la vitesse d'absorption de sucre dans le sang. De la vitamine du groupe B, contenant de l'acide folique, très indispensable dans la production du matériel génétique, B3 et B6. Elles contiennent également des oligo-éléments tels que fer, magnésium, calcium, de la vitamine C, un bon alliage pour booster l'organisme. Ces feuilles contiennent également beaucoup de fibres alimentaires et très nutritives. La consommation des feuilles de manioc quotidiennement ne pose aucun problème. Il est recommandé de consommer les feuilles de manioc en quantité suffisante et régulièrement pour leurs vertus médicinales des incommodités sanitaires comme le paludisme non sévère. La sèvre, désinfection des plaies, les brûlures, de la conjonctivite, l'anémie, les feuilles de manioc apparaissent comme un bon aliment par leur richesse en protéines, calcium, sels minéraux totaux et vitamines. Les feuilles de manioc renforcent l'immunité et à cause de sa concentration en vitamine C, c'est un allié pour les femmes en gestation à cause de la présence d'une forte teneur en fer, les femmes enceintes évitent l'anémie. Ça lutte contre les vertiges. Pour celui qui souffre d'anémie, prendre quelques feuilles de manioc, les laver, les piller et en extraire le jus dans un verre et le filtrer, pour le rendre agréable vous pouvez y ajouter du lait concentré, bien mélanger le tout et boire chaque jour. C'est un antipaludéen pour toute personne qui vit dans les régions tropicales ou les gens qui partent en vacances, rien n'est plus simple pour éviter le palud. Vous prenez quelques feuilles de manioc, faites-le en infusion, ensuite buvez en 2 fois par jour ou même avec un verre de thé. Cette boisson est capable de faire disparaître la fièvre et traiter le paludisme, sa forte teneur en fibres permet de ralentir la vitesse d'absorption du sucre dans le sang, elles sont indispensables plus pour les femmes ménopausées avec un apport de calcium, à ce stade de la vie. Chez la femme ménopausée, le mécanisme du développement cyclique est interrompu et l'hormone estrogène responsable du transport du calcium reste inactive. Le calcium contribue à la formation et à la solidité des os et des dents, aide à combattre le kwashiorkor, car les feuilles de manioc sont pourvues de la lysine, un acide aminé qui favorise la lutte contre la kwashiorkor causée par une carence en protéines. Notons qu'en raison de sa densité en fibres alimentaires, les feuilles de manioc aident à la digestion et aident à surmonter la constipation. L'avantage est que la feuille de manioc atteint des valeurs nutritionnelles protéiques importantes dès 5 mois après la plantation. C'était tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager.